sont presque tous là. Baku, Askeladd, Nyx. Y'a pas. Il ne manque plus que Bourpi. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, c'est KiriTopKnight064. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu improvisée sur Final Fantasy XIV. Parce qu'aujourd'hui, notre avatar Ishkiti se marie. Alors. Vous pouvez entrer. Hop, 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 hop. Voilà. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour le mariage d'Ishkiti. Alors le mari, autant vous prévenir tout de suite, il n'est pas très sociable. Kevin Knight, qui est joué par mon cousin, donc c'est avec lui que Ishkiti va se marier. Voilà, fallait que je le précise quand même. Petite surprise, je vois que Maku a atteint le costume que je lui ai donné en bleu, c'est sympa. Histoire que tout le monde soit dans le ton. Est-ce que Kevin m'entend? Tu rentres en premier? Ah, je sais pas, la connexion réseau n'a pas l'air folle. Ouais. Disais bonjour à Maku d'abord. Est-ce que mon deuxième micro est bien relié? Est-ce que tu m'entends? Kevin? Oui, bah il est rentré. Oui. Donc un épisode un petit peu spécial. Alors, où est-ce qu'il prendra place exactement dans le let's play? Je ne sais pas trop encore. On peut rentrer maintenant de toute façon, parce que là, la chapelle reste ouverte tant que j'ai pas donné le feu vert. Donc même si Bourpi est à la bourre, sans jeu de mots, si tu tombes sur cette vidéo, c'était pas volontaire. Hein. Même si Bourpi est à la bourre, c'est pas grave. La cérémonie ne commence pas tant qu'on n'a pas donné le signal, il me semble. Ou 20 minutes après. C'est vrai, merci de me préciser. C'est vrai que je ne vous ai pas donné de quoi faire la fête. Les bouteilles de vin. L'artifice. Est-ce qu'il y a, c'est que j'en ai pas pris des masses non plus. Allez. Voilà. Alors, quelques feux d'artifice pour Ask. Quelques feux d'artifice et des bouteilles pour Nyx. Et un peu de tout. Ah, je vois que Bourpi a été prévenu dans le chat. Enfin, il était au courant de l'heure. Hein, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché?
C'est bon, j'ai déjà plein de trucs. Ah, d'accord. Bon, prends-les quand même. On n'a jamais assez d'objets sur soi. Bon, on va peut-être se décider à rentrer. Le site officiel que la cérémonie pouvait durer entre 1h et 1h30. Donc, on va essayer de pas trop faire traîner la vidéo non plus, que ce soit pas trop long à regarder. Mais bon, c'est un jour important pour notre avatar. Donc, je préfère quand même prendre un petit peu le temps. On prendra le temps à l'intérieur de la chapelle. Bon, apparemment, Bourpie arrive. Et donc tous les invités sont là et je constate que Kevin n'a invité personne. Ah, c'est lui? Impeccable. Bourpie troll. Tout le monde est là apparemment, enfin de mon côté. S'il y a des retardataires du côté de Kevin, j'espère qu'ils vont se dépêcher. On a un petit peu de marge. Pour moi, tout le monde est là. Voilà ce que c'est quand on veut écrire trop vite. Joli costume, Bourpie. Il a pu se libérer comme convenu, c'est sympa, c'est cool. Ouais, tous ceux que j'ai invités sont là. Alors, je m'excuse déjà pour les autres membres de la guilde que je n'ai peut-être pas forcément pu inviter. Je les connais pas tous non plus. Et surtout, bah, il y en a pas mal que je n'ai pas mis dans la liste d'amis. Vous pouvez rentrer. En parlant, on va le préciser quand même. En parlant. À Étoinelle. Elle pourra. Non, c'est pas la peine que je précise pour les conseils. Voilà, je vais me préparer. Par contre, je sais pas s'ils ont des trucs de prévu à faire après, donc on va quand même ne pas trop traîner non plus. Allez, c'est parti. Tout ça, elle le dit plus ou moins. Le petit tuto. Ah, j'ai pas forcément doublé les PNJ non plus à chaque fois. Donc nous voici à l'intérieur. Et je vois que je ne suis pas avec Kevin. Je suis à part. D'accord. On va être dans des chambres séparément. Validation des choix. Ah oui. Bon, pour moi, c'est bon. Je reviens pas sur mon organisation de la cérémonie, donc je vais déjà le confirmer pour moi. Ok, j'ai compris. Pour moi, c'est bon. J'imagine que Kevin a déjà validé de son côté. Bonjour et félicitations si vous avez des questions. Bon, on va pas. Exceptionnellement, je vais pas doubler les dialogues des PNJ. Elle ressemble un peu à Charibert. D'habitude, je vous double toujours les dialogues, mais bon, là, on va dire qu'on est un petit peu pressé par le temps. Ça m'intéresse. Les cloches. Tu me dis où est-ce que je peux trouver la cloche, surtout j'ai compris que ça servait à accélérer le rythme de la cérémonie, mais. Ah, objet clé, d'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Donc, on va se mettre. Attendez, la cloche elle est là, c'est bon. Maintenant on va se mettre en tenue.
Alors, je ne l'ai pas enregistrée dans les raccourcis. Elle est, voilà, sous Lightning. Impeccable. Et voilà, on a la robe de mariée. C'est parfait. Le mari, il a intérêt à être chic. Je ne l'ai pas encore vu en costume. Comment se déroule la cérémonie? Je vais donner des informations sur le déroulement de la cérémonie. Les organisateurs tiendront dans l'antichambre, ça c'est bon. C'est dans une salle d'attente. Alors vous verrez pas le côté invité de la cérémonie, ni le côté du mari du coup. Je n'ai pas accès à ces zones-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, ça tu me le sauras à chaque fois. Alors, à partir de maintenant. Ah, il y a un truc qui est apparu sur le bureau là, je viens de voir. C'est bon, parfait. Pour moi, c'est bon, écoute. La cérémonie va être organisée selon les règles d'Ishkiti. D'accord. Donc, il a validé pareil que moi les trucs, j'imagine. Bon. Est-ce qu'il est prêt? Ou est-ce qu'on active la clochette? Le truc, c'est qu'il faut qu'on soit synchro, quoi. Il doit faire ses trucs de son côté. Ou il attend que je fasse les choses. Déjà, est-ce que tout le monde est prêt dans la salle d'attente? Est-ce qu'au moins ils vont recevoir mon truc étant donné que je suis dans une chambre à part? Théoriquement oui, puisque je suis sur le canal de la compagnie libre. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais depuis les épisodes précédents, Ishkiti fait mais désormais partie d'une compagnie libre. Trick or treat. Treat, si je dis pas de bêtises. Donc farce ou bonbon. En bon français. Les bonbons ou les farces. Ouais, impeccable. Apparemment, ils sont OK. Pour moi, c'est bon. Est-ce que l'autre, il me reçoit une petite seconde. Hop. C'est bon pour toi, Kevin? Oh, OK. OK, donc pour lui, c'est bon. Petite clochette. Hein. Et attendre celle du partenaire. Il vient me dire que c'était bon. Tu utilises la clochette, s'il te plaît? Ah bah c'est bon, il a fait. Alors, on est parti. Hein, nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer le lien éternel de deux êtres exceptionnels. Sans passer la porte. Ishkiti, Kevin, venez s'il vous plaît, Kupo. Ah oui, c'est vrai, j'avais décidé que ça serait présidé par un Mog. Ah bah c'est parti. Bien sûr, je me tais pendant les cinématiques, comme d'habitude.
La musique est magnifique quand même. Vraiment. C'est beau. C'est beau à entendre. Quelle entrée fantastique, Coupo. J'étais tellement subjugué que j'ai failli en oublier. J'ai pas... T'as pas le temps de lire. Votre attention, s'il vous plaît. Nos deux tourtereaux vont s'échanger leurs vœux, Coupo. Ils sont tous là, ça fait plaisir. Et Shkiti, Kevin, je vous en prie. La prochaine étape de la cérémonie commence à... Mais t'as pas le temps de lire. Vous pouvez utiliser les modes de discussion, dire et hurler. Et j'ai pas tout saisi ce qu'il fallait faire. Donnez-moi une petite seconde. T'as compris qu'est-ce qu'il fallait faire, toi? Ah, d'accord. Autant pour moi. À toi l'honneur. Que mon personnage se marie après un an passé sur le jeu, ça fait très bizarre. Et Kevin, t'as planté? Alors non, il est toujours aux commandes, il me regarde. Je vois dans le chat de gauche. Et à l'euphorie de l'assistance et de l'assemblée que... Waouh. Ils sont chauds, ça fait plaisir, ils sont chauds. Je t'aime. Il vient de hurler je t'aime dans le chat. C'est parfait. Je suis pas inspiré. Si, oh, si, oh, attendez. Je t'aime un peu, beaucoup. Bah, la folie, t'es. On va lui répondre ça, ça va être marrant. Hurler, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, hurler. Ah. Là. Folie. Ouais, plutôt que de dire de même, ou moi aussi, ou je t'aime tout simplement, ouais, c'est pas mal. Ça change. Et je me suis pas trompé de canal, peut-être? Non. Bon, on va utiliser la clochette, parce que je pense pas qu'il y ait d'autres choses à faire dans cette phase. On va accélérer un peu la cérémonie. Active ta clochette, pour moi c'est fait. Là. C'est bon, il a fait. Pour marquer votre engagement à vous unir pour toujours devant les dieux, vous avez préparé les anneaux. Ok, bon. Ces bagues ont reçu la bénédiction des 12. On m'a dit que Ishkiti avait fait appel à un artisan de renom pour son magnifique anneau Coupeau. C'est pas tout à fait faux. Nul doute qu'il a été choisi en pensant très fort à Kevin Coupeau. Je pense, j'ai aussi entendu dire que celui de Kevin est très particulier, Coupeau. Ah, qu'est-ce que j'aimerais en savoir plus? Qu'est-ce que t'as fait à ton anneau, toi? On saura pas. Pour obtenir la protection des 12, vous avez dû faire un pèlerinage à travers Eorzea et vous rendre auprès de chaque stèle. Oh, m'en parlez pas. Ça, c'était un petit peu fastidieux, mais bon. L'idée était sympa. Cette épreuve n'a pu que renforcer votre amour, Coupeau. Oui, en fait, est un peu à la traîne, hein, aussi tout le temps du trajet. J'espère que vous ne l'oublierez jamais et que cela vous aidera sûrement. Oh. Bien, Ishkiti, Kevin. Pour marquer votre lien éternel... Je vous demande de vous embrasser, Coupeau. Oh, c'est mignon. Quoi, l'émote étreinte? Attends, le temps que je la trouve. Ah non, cinématique.
faut dire ce qui est, c'est sacrément beau quand même. Sacrément beau. Bon. C'est l'heure du baiser, j'imagine. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Oula! Vers l'infini et au-delà! Le septième ciel, juste avec deux doigts. Bourpi. Eh bien, que personne au sanctuaire n'ait conféré aucun pouvoir au Potimok que je suis, c'est avec honneur et joie que je vous déclare uni par le lien éternel, Kupo. Je crois que vous pouvez applaudir les deux conjoints. Bravo, Kupo. J'entends ouvrir les bouteilles. Le temps qu'il reste est à vous, mais je vous en prie, veillez à ne pas renverser de boisson ou de nourriture. Ouais, j'ai compris un petit peu l'idée. Donc on fait ce qu'on veut maintenant. La cérémonie prendra fin lorsque les deux organisateurs auront utilisé... Oh d'accord. On se fait un câlin. Synchro. On se fait un câlin synchro. 1, 2. T'es prêt? 3. On remet ça. Oh punaise, mais c'est synchro. Allez, le temps qui reste est à nous. Ça secoue les... Ça secoue les bouteilles, asperge les confettis. C'est l'heure de la fête. Mais il s'y croit l'autre. Eh, hey, tout doux, Kevin. Bon, d'accord. Bon, il a pas tort, hein. Il a pas tort. Ah, là, là, on va le suivre. Hop. Je t'ai donné ça, moi. Ah bon. Inventaire. Bon, ben c'était bien cool. Ça aurait pas été pareil sans les invités non plus. Et c'est... Franchement, merci à tous. Merci à tous du fond du cœur. Ça aurait pas été pareil sans eux. Escalade, Nyx, Bourpi, Epa, Maku. Merci beaucoup. Et une petite pensée pour les autres aussi qui n'ont pas pu venir ou que j'ai oublié d'inviter aussi. Enfin, que je n'ai pas eu le temps d'inviter. Une petite pensée pour eux. Qu'est-ce qu'il y a, Bourpi? Je te suis. Hein, je voudrais qu'on ait une petite pensée aussi pour Jiv Sombre Lune, Myrdin Wilt, Orion Van Kelit, Ninfea. Ninfea, j'ai oublié le nom de son avatar. Shinrin Sela et Tsukoshi. Une petite pensée pour les autres membres de la guilde, oui. Ah, j'ai le téléphone qui sonne, petite seconde.
Où est-ce que j'ai atterri? On répondra à ça après, c'est pas grave. Qu'on finisse ici. Je te suis, Bourpi. Je te suis. Il y a un endroit exprès pour les photos. Ah, mais c'est génial! Putain, ils ont pensé à tout dans ce dans cette cathédrale. Enfin, cathédrale. C'est censé être une petite chapelle, hein, mais tout va bien. Je peux savoir pourquoi il suit pas l'autre? On a perdu le mari! Il fait quoi? Kevin. Il fait quoi, Kevin? Ah, je me suis encore trompé de canal. Bon, c'est pas grave. Ah là là. Je vois pas le point qui bouge sur... Ah, ça y est, ça bouge sur la carte. Qu'est-ce qu'il foutait? Il était encore dans la chapelle. Le truc, c'est que je peux pas vous parler à vous dans le micro pour le montage vidéo, tout en parlant à Kevin. J'essaye, j'ai un deuxième micro qui est relié vers lui, mais c'est un peu la galère. Bon, du coup, on les fait comment, ces photos? Je crois qu'il y avait une option dans le menu pour ça. On est chaud, là? On fait quoi? Il est complètement perdu. Pourquoi tu regardes Bourpi comme ça? Hé, c'est moi ton épouse, hein. C'est moi qui regardais Bourpi, en plus. Ah, tête. Alors, on se fait une petite photo de groupe, histoire de marquer le coup. Ça fait penser, il faudrait que je prenne une photo de tout le monde dans les vêtements de la guilde aussi. Les mariés côte à côte et nous derrière. On fera un screen. Ouais, alors une petite seconde. Tu te mets à côté de moi, s'il te plaît, Kevin. Photo de groupe. Tu viens? Impec. On va dire que ça ira. Il est content. Il est content. Et moi, je fais quelle émote? Une émote très... Ben... Il y a Jubilé qui est pas mal. Je réfléchis. Ouais, Jubilé. Je crois que ça reste ma préférée. Allez, séance photo. Voilà, comme ça, tout le monde fait les émotes en même temps. Il est pas mal, ce petit gadget. Alors, on va les faire tous regarder la caméra. Voilà. On va la prendre comme ça. Impeccable. Et je vais m'en mettre une dans l'autre sens. Est-ce que je peux avoir tout le monde? Celle-là, là, c'est pas mal. Impec. Bon, mais c'était bien cool. Je vois qu'ils sont encore en mode photo. Ils ont la caméra. C'est pas ça que je cherche. Fais-moi un câlin. On se fait un câlin tous les deux encore. Est-ce que tu m'entends, Kevin? À 3. Positionne-toi. À 3. 1, 2, 3. C'est un peu foiré. 3. Voilà. Bon, c'est quoi le plan? Ça ne parle pas dans le chat. Après, je crois qu'ils se sont mis, eux, dans un chat à part. Je crois que c'était ce qui était prévu.
Il devait se faire un vocal. Alors je sais pas s'ils sont sur Discord ou sur le vocal PS4. C'est peut-être c'est pour ça qu'ils utilisent pas trop le chat en bas à gauche. Bon, il va être temps de conclure parce que je pense qu'ils ont des trucs de prévu, il me semble. Je vais quand même leur reposer la question des fois que. Vous avez peut-être des choses de prévu. Là, ils sont toujours en mode photo. Bon, c'est bien, mitraillé. N'empêche que depuis que je joue avec la guilde, là, donc depuis le début de la semaine, mardi, depuis 4 jours. Depuis 4 jours, franchement, le quotidien sur le jeu, c'est complètement plus fun qu'avant. On a Kevin qui pète un câble. Lui aussi, au lieu de jouer tout le temps en solo, il ferait bien de se mettre en groupe, peut-être. Ça lui fera du bien. Ah, ça, il est encore plus têtu que moi sur ce point-là. Le jour où il se mettra dans une guilde, il neigera en plein été, je vous le dis. À tous les jeux qu'on a joué ensemble, à chaque fois c'était pareil. Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il est en train de le sermonner ou quoi? Pourquoi je peux pas utiliser ma bouteille de... J'ai cliqué. Petite seconde. Voilà. Ce que je voulais faire, c'était ça. Est-ce que c'est que de regarder le téléphone, l'écran, le chat? Aïe. En train de partir. Il est temps de mettre fin à la cérémonie. T'actives ta clochette, s'il te plaît. On met fin à la cérémonie. Comme ça, on traîne pas trop. Bah alors qu'ici il attend. Je ne veux pas vous embêter au milieu de vos célébrations. Mais le temps est malheureusement venu de terminer cette cérémonie. Coupeau. Merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui, Coupeau. Ishkiti, Kevin, il est temps pour vous de partir vers de nouvelles aventures à deux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, Coupeau. Et surtout, qu'ils vivent longtemps et heureux, Coupeau. De nombreuses aventures à deux, c'est pas sûr. On a beau s'être marié. Il est du genre loup solitaire, le Kevin. Et moi, dans le fond, un petit peu aussi. Bon, ça nous empêchera pas de faire équipe de temps en temps.
Bon, ben voilà, c'est officiellement terminé. C'est fini. Pardon, excusez-moi. Vous avez été le, s'il te plaît, merci. C'était super. Je mets les accents, mais on s'en fout. Génial. Au pluriel, s'il te plaît. Géniaux. Ces adieux. Oh, Nyx s'est déconnecté déjà. Bon, c'est sympa d'être venu. Mais je savais bien qu'ils avaient des trucs à faire. Nyx s'est connecté. Qu'est-ce que ce bazar? À quoi tu joues? Oh, il y a eu un bug peut-être. C'est pas impossible. Ça arrive. Est-ce que là, c'est déconnecté? Bon. Peu importe. Attendez-moi une petite seconde. Alors, l'anneau du lien éternel. Celui-là, je le mets dans l'arsenal. On devait pas gagner une monture aussi. Ça sert à quoi? Ça sert à se téléporter auprès de son conjoint. On a un objet trop génial en stock. Par contre, t'es pas censé avoir une monture aussi, me semble-t-il. Bon, je ne la vois pas dans l'inventaire, c'est pas grave. Bon les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cette vidéo, cet épisode spécial ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pensez... Qu'est-ce que tu me fais, toi? T'en vas sans moi. Pensez à laisser le petit pouce en l'air, ça fera grandement plaisir. Ça veut dire que vous aimez le contenu de la chaîne, que la vidéo vous a plu, tout ça. Donc franchement, laissez le petit pouce en l'air, ça me motive à faire davantage de vidéos de qualité. Pensez surtout... Si ça vous a plu toujours, à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette en haut à droite de la page d'accueil pour être tenu informé des dernières vidéos sorties. On va quand même aller les rejoindre les autres. Pour être tenu informé des dernières vidéos sorties, donc le let's play de Final Fantasy XIV, le let's play de l'attaque des titans 2 en ce moment, et les AMV le dimanche, ou encore les tests du raton laveur quand je teste les jeux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Kirito Knight 064, alias Kirito, aussi alias Ishkiti Blacky pour le coup sur Final Fantasy XIV. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, on balance le générique.